Champion de France en 2014 et troisième du championnat du monde en 2018. Ces journées-là sont importantes là, pour les essais, pour vous aussi? Moi là je suis venu m'échauffer, après je vais donner un petit peu des stages à des personnes qui sont inscrites. C'est toujours des journées sympathiques, on rencontre un peu du monde et puis... Voilà, on délivre des messages utiles pour ces passionnés. On essaye de partager un peu notre technique. Enduromag m'ont sollicité pour ça, j'ai répondu présent et puis voilà. Ouais, c'était le moment où il fallait le faire. Des essais là, avec des motos. Ouais, on voit l'évolution d'une année sur l'autre et ça permet éventuellement de faire son choix. D'accord, sur un beau circuit là. Le circuit est très sympa, bon dommage ça glisse beaucoup aujourd'hui donc on ne peut pas trop se rendre compte de l'effet des suspensions, bon, on gère plutôt la glisse, mais c'est sympa, très sympa, c'est bien tracé, je ne sais pas si c'est Pierre qui l'a fait mais superbe. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses là? Pour l'instant ça va, habitué au KTM donc l'avant est un peu différent mais ça va. Ton prénom? Gilles Leclerc. Leclerc, champion de France junior cette année et 6e du mondial cette année aussi en junior 2. Un stage pour les participants des Enduro Mag Day pour ceux qui ont pris un stage aujourd'hui. Il faudra bien faire attention, c'est bien remettre le pied sur le calcier mais le plus vite possible. On remet le pied sur le calcier, pareil, le pouce en haut, le regard, on remet le pied en accès. Je veux laisser un doigt dessus, de la moto qui va aller par vertical, et surtout ne pas démarrer. On fait un tour d'avant, on ramène son pied, là on appuie en même temps. C'était comment? Encore un stage. Ouais. Voilà, encore un stage avec des plus débutants. Thank you.
mois. Donc on fait 6 numéros par an, plus un hors série. Et puis bon écoute, on était le seul magazine historiquement à traiter de l'enduro. On reste toujours le leader. Seul à faire un événement comme ça surtout. En tant que magazine, il y en a peu qui se mouillent. Ouais, il y en a peu qui se mouillent. Cette année c'est vraiment particulier parce qu'on organise tout à 100%. On fait appel à Pierre Palu qui lui travaille avec nous régulièrement. On est une petite équipe, hein, être salarié. On n'est pas très nombreux, mais pour nous c'est un gros challenge quand même d'organiser. C'est pas notre métier de faire de l'événementiel et de le faire. On a grossi d'année en année et c'est quasiment 400 personnes. Là, on est on sert 500 repas. C'est pas nous, on fait appel à un traiteur local, mais ben voilà, ça s'organise tout ça. Là, tous les hébergements, c'est pas nous qui nous en occupons non plus. Ouais, c'était bien, une première mise en bouche vraiment bien. C'est super sympa, et j'en avais jamais fait et c'était vraiment vraiment cool. À refaire. Très très bien. Le top du top. C'est ça l'enduro. C'est un budget aussi pour le journal. On arrive à le. On peut. Aujourd'hui on peut plus se permettre, enfin le magazine. On arrive avec les engagements et les partenaires à couvrir les frais. Par contre c'est un super outil de communication pour nos lecteurs. Et même pour les. Ben on apporte du. C'est un rendez-vous, on apporte du business à nos partenaires habituels, comme les marques de moto. Le fait que les clients les essayent, ils sont amenés à découvrir des nouveaux modèles, à changer, à acheter. Il y a des gens qui viennent essayer des produits. Là, tu vois, il y a Airflow qui est venu avec un masque. Là, c'est les conditions idéales pour avec l'humidité. Il y a des gens qui vont découvrir ces produits, qui vont peut-être sûrement les acheter. Voilà, ça fait. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde.